Bien, alors, monsieur le Breton, figurez-vous que tout est une question d'éclairage. Voilà, si vous utilisez la pièce principalement de jour... Alexandre! Oui? Êtes-vous du bâtiment? Alors, si vous utilisez la pièce principalement de jour, je vous conseille une nuance un peu plus foncée, comme celle-ci. Hein. En revanche, si vous utilisez la pièce principalement le soir ou de nuit, alors je vous demande pardon. Êtes-vous gay? En revanche, si vous utilisez la pièce... Mais quand je dis gay, Alexandre, quand je dis gay, je veux pas dire gay. La, 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 la. Je veux dire gay. Bon, vous pourriez rester concentré, monsieur le Breton. Écoutez, Alexandre, je ne crois pas que vous en soyez. Mais Arnaud est persuadé du contraire. Alors, je vous repose la question, et je vous garantis que votre réponse est pour moi de la plus haute importance. Monsieur le Breton, je vous serais reconnaissant si nous pouvions rester concentrés sur l'euro. Je sais parfaitement que vous savez pourquoi je vous demande ça. Mais pas du tout. Et si Arnaud ne m'avait pas dit de prendre la chose avec douceur, ça ferait longtemps que je vous aurais... Choisissez le rose que vous voulez, hein. Écoutez, Alexandre... Monsieur le Breton. Alexandre, oui. J'aimerais croire Arnaud. Ah, oh, mais pourquoi? Ça me ferait tellement plaisir si vous étiez qu'un tantinet au moins. Si vous voulez tout savoir, j'aime les deux. Pardon? Oui, j'aime les hommes et les femmes. Je suis bi. Voilà, c'est dit. Bon, par contre, monsieur le Breton, je suis désolé, mais vous n'êtes absolument pas genre.